Manu, je crois que j'ai trouvé quelque chose d'encore plus bizarroïde que ton site sur les catcheuses groenlandaises. N'importe quoi, moi je te dis que c'est pas possible. Ploucotatane, bigoudi et prédiction astrologique. Dis donc, Titeuf, c'est quoi ces naseries? Non mais regarde-moi un peu ça, je t'allume de la tête. Mes amis, nous sommes en train de vivre nos derniers jours. La fin du monde est proche, très exactement pour lundi. Oh, mais c'est demain! Tout d'abord, une grande obscurité se fera. Ensuite, l'eau des rivières et les océans se tarira. Et enfin, une étoile apparaîtra! Une gigantesque astéroïde inconnue pénétrera dans l'atmosphère terrestre. À 15h, cet astéroïde entrera en collision avec notre planète. À 15h et 5 minutes très précises, l'humanité aura disparu! Oh là là! Putain, jour à vivre, vite, faut que je termine ma glace! Irène, dites-moi un peu, les pauvres slips! Sur Terre, il y a eu d'abord les dinos, ensuite, il y a eu les humains. Mais après, qu'est-ce qu'il va y avoir, à votre avis? Les fourmis, c'est une micro-civilisation, mais elle est hyper évoluée. Là, les catcheuses groenlandaises! Vous vous plantez complètement, les nains de jardin dégénérés! L'espèce futurée qui sera dominante sur Terre, ce sera les Dumbo! À cause des oreilles, ils sont astéroïdoproof. Tada! L'invasion des Dumbo astéroïdoproof à cause d'oreilles. Oh la poisse! C'est bizarre quand même. Y a plus de lumière. C'est comme l'avait prédit l'autre astro-blaireau. Oh, vraiment, il manquait plus que ça. Oh, ça devait arriver avec cette canicule. Et l'eau des rivières et des océans s'y tarira. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Y a plus d'espoir, c'est trop tard maintenant. Les autres, est-ce que tu y as pensé aux autres? Ouais, on peut pas leur dire. Après, ils sont tous déprimés de la vie comme nous. On va pas leur faire ça quand même. Tchou, nous voilà seuls à porter le monde sur nos épaules. Vous avez vu ça, les nazes? C'est la méga apocalypse. Si tu veux savoir, je suis carrément mort de rire. Quoi? Me dites pas que vous marchez aux prédictions de Tatane. Ouais, bah tu rigoleras moins quand tu te prendras l'astéroïde en pleine face. Eh bien, si j'étais toi, je me collerais un aimant sur la face, tu vois. On dit que c'est méga efficace pour détourner les astéroïdes qui sont en métal doré. Je t'assure. Bah ouais, trop. Un aimant, et voilà la solution. Regarde, ça, c'est l'astéroïde. Ça, c'est la Terre. Et ça, c'est notre super over méga kit bouclier magnétique qu'on va installer sur le toit de l'immeuble. L'astéroïde est rejeté et renvoyé directos dans le fond du cosmos. Bon, je suis pas sûr que ça marche, mais bon, faut tenter le coup. Ouais, mais va nous falloir un paquet d'aimants, tu crois pas? Il y aurait bien la concierge, elle en a des tonnes sur son frigo. T'es nuque ou quoi? T'as vu la concierge? C'est Mugulator avec une blouse. Oh mon pauvre Manu, mais on va pas se laisser arrêter par ça. Il faut qu'on sauve le monde, nous. Et vite, il reste plus que 3 heures. C'est pour un exposé sur le catch. Avec votre physique, vous êtes sûrement une ancienne championne, hein. Donc on s'est dit que vous pourriez peut-être nous aider. J'ai pas que ça à faire, moi. Puis qu'est-ce que ton copain fabrique dans ma cuisine? Oh, rien de dame. J'ai regardé votre collègue de calendrier de la poste. Tiens, prends ça, moi je file dire au revoir à ma famille. Je te rejoins chez toi. Oh, qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même pour sauver le monde? Ah, qui ne vous naît, on va faire les courses. Quoi? Mais comment vous pouvez partir comme ça? Oh, enfin, Titeuf, qu'est-ce qu'il y a exactement? Oh, je vous aime tellement, papa! Maman, j'aime aussi! Oh. Hein? Nadia, imagine que je sois le dernier garçon sur cette terre. Tu voudras me faire un bisou? Ah, c'est une plaisanterie! Même pas dans tes rêves! Et même si c'était aujourd'hui la fin du monde, je ne t'embrasserai pas, Titeuf! Oh,
chez moi, c'est vraiment pas de chance. Juste le jour où j'avais envie de les voir. Enfin, je leur ai laissé une lettre où je leur explique tout. Tu sais, moi, c'est pas mieux, hein. J'ai limite s'ils m'ont pas rigolé au nez. Qu'est-ce que tu dis de notre super beau client magnétique? Bah tiens, justement, j'ai retrouvé le cours de la maîtresse sur les aimants. Regarde un peu ça, il y a des aimants méga puissants dans les téléphones, les haut-parleurs, les radios, les télés. Joe, plus que 10 minutes avant la fin du monde, faut qu'on y aille vite. Tiens, c'est les bons becs de ma sœur. De toute façon, elle en aura plus besoin, je crois. Et puis les carillons, j'en balance. Bon, maintenant, y'a plus qu'à attendre la fin du monde, quoi. Écoute, c'est pas vrai, ça. Y'a encore un problème avec l'antenne sur le toit. Comme le monde va disparaître, je vous dis au revoir. Vous étiez vraiment des super parents, même si des fois, vous auriez pu me laisser regarder un peu plus la télé. Je vais chez Titeuf et à nous deux, on va essayer de sauver le monde. Viens, on va le chercher, ça m'a l'air sérieux. Je savais bien que c'était pas normal, tousser. Je vous aime tellement. 5, 4, 3, 2, 1. Joe, adieu, monde cruel. Quinze runes. Ouais, on est les héros, sauveur de l'humanité de la Terre. Titeuf. Oh, les sales moutards. Oh, ma vie de bonbon. Tu te rends compte à quel point tu nous as fait peur avec cette lettre? 10 ans, Titeuf. C'est 10 ans de punition que tu vas prendre. Espèce de sale crapaud baveux. Tu vas me le payer très cher. Ouais, qu'est-ce qu'ils ont tous? Eh ben, je sais pas, moi. Mais ils mériteraient tous de finir écrabouillés par un astéroïde. Cette bande d'ingrats du cœur. Non, mais c'est pas juste.